Salut, c'est le Corsaire. Bienvenue sur ma chaîne pour le 22e, je crois. On arrive presque au bout, hein. Alors hier, on a eu droit au Magische Stern, l'étoile magique. Un tour qui a totalement foiré. J'ai même plus envie de chercher à comprendre. Bref, on va à la suite, jour 22. Putain, il reste 2 jours avant Noël, hein. Geisterwürfel. À des fantômes. Ça promet. Donc la case numéro 21. Non, 22. Merde, j'ai ouvert la case 23, moi. Elle est où la 22? Punaise. À vue de nez, ça doit être. Ah, ma punaise! Bon, un dé. Et donc, il me faut le dé et ma baguette magique. Bon. Donc, Forfurung. Tiens le dé entre le pouce et l'index de ta main gauche. Ok. Voilà. Alors ça, c'est un truc à faire avec les doigts. Oui, d'accord. Donc il y a un tour comme ça et un tour avec juste le dé. Bon, il faudra que j'essaye. Je vais présenter les deux. Je sais pas ce que ça peut donner, hein. Tenir le dé entre le pouce et l'index de la main droite. Présentant le 6 au public. Comment tu veux que je fasse ça? Bah, attends. Der Zeigefinger hältst du dabei am hinteren oberen Rand. Und der Daumen am unteren vorderen Rand. Ah. Putain, le truc a chopé des crampes, quoi. Vorderen Rand des. Ouais, ok. Drehe deine Hand und kipp mit dem Finger gleichzeitig den Würfel nach vorne, sodass die 6 jetzt auf deinem Daumen liegt. Deine kleine Bewegung wird durch die größere unsichtbar mit. Voilà. Ouais, c'est vraiment un. Un truc à la. À la wesh, quoi. Parce que ça fout des crampes, ce machin. Ah,
Bon, on va essayer les deux tours. Attendez 2 minutes, hein, j'ai un souci de positionnement de doigts. Ok, donc c'est un dé, tout ce qu'il y a de plus classique. 6, 4, le 1, le 3, le 5, le 2, et la somme des deux côtés opposés fait toujours 7, hein. Donc on a le 4 et le 3, donc ça fait 7, le 2 et le 5, voilà, ça fait 7, le 1 et le 6 qui font 7. Je sais pas du tout si ça va marcher, hein. Et donc là, vous voyez le 6. Donc logiquement derrière, il devrait y avoir bah, le 1, forcément. 6, il faut faire un total de 7 avec la face arrière. Eh ben non. 5. Bizarre ça. Le 6. C'est un dé normal, je vous l'ai montré, hein. Pourtant, quand on regarde derrière, on a le 5. Et pourtant, ça fait 6. Et non. Il y a le 5 derrière. Ok, ça c'était le premier tour. Et l'autre tour, la disparition du dé. Disparition du dé. Je sais pas du tout si je vais le réussir celui-là par contre. Voilà, le dé. Vous voyez tout ça. Il n'y a plus de dés. Le dé est bien ici, hein, dans ma main droite. Donc mon petit dé, j'ai raté mon tour. Ok, mon petit dé. C'est balèze à faire comme truc en plus. Voilà. Ça marche pas à tous les coups, hein. Donc, mon petit dé. Donc, je le prends dans la main droite. Maintenant, je récupère ma baguette. 1, 2, 3. Le dé a disparu. Bon, je vais essayer de vous le remontrer, hein. Voilà le dé. Le monde le voit bien, je pense. On le met dans la main gauche, pardon, dans la main droite, on prend la baguette magique, 1, 2, 3, et j'ai le téléphone qui sonne en même temps.
Bon. J'ai un baguette qui se démonte. Ouais, je suis en train de faire ma app en fait. Voilà, je sais pas si vous êtes convaincu de la disparition du dé. Écoutez, moi il me reste deux cases à ouvrir. Donc je vous dis rendez-vous demain pour le nouveau tour de magie. Allez, ciao!